Analyse et scénarios possibles selon les informations prophétiques reçues en médiumnité depuis 2020 par Carlotta et moi-même. Il devrait se passer des choses à partir des années 2024 et 2025, surtout, je pense, en 2025. Le 18 octobre 2023, il me vient en pensée, 2024, le monde tombe en morceaux. Carlotta, quant à elle, reçoit les infos suivantes. Le 8 septembre 2020. 2025, début du changement positif. Vision de la scène du film La Belle Verte, où tous les appareils inutiles sont mis dehors. Prise de conscience en 2025. Trou entre 2022 et 2025. On pourrait dire que c'est le cas. Le 20 juillet 2020, il me vient en pensée. Les gens vont réagir face au gouvernement français en 2024 ou 2025. Évidemment, à l'époque, je pensais qu'ils réagiraient par rapport à la fumisterie du Covid. Mais en fait, avec le recul, je pense que ce sera par rapport à quelque chose d'autre, peut-être un scandale d'ailleurs, car je fis un rêve le 1er juin 2021, où Macron ou son parti, la France en marche, était mouillé dans un scandale. Macron allait être obligé de démissionner et ne finissait pas son mandat de président. C'était en juillet. Alors quel pourrait être ce scandale? Eh bien, vu ce qui se passe actuellement au niveau international sur la vraie identité de Brigitte Macron, ça pourrait être ça le scandale en question. Les médias mainstream français nous cachent l'ampleur qu'a pris cette histoire au niveau mondial et ce n'est que le début, d'après moi. D'ailleurs, le 2 avril 2024, on me fait savoir par l'intermédiaire d'une vision que Brigitte Macron serait née homme. Peut-être est-ce Jean-Michel Trogneux. Le 22 novembre 2020, Carlotta reçoit les informations suivantes. Manif à Paris. Macron ne finira pas son mandat. Effondrement, incident dans les villes, mais pas à cause du Covid qui ne sera plus à l'ordre du jour. Il est possible que l'affaire Brigitte Macron prenne de l'ampleur en fin d'année, car Trump devrait gagner les élections et revenir à la Maison-Blanche, selon plusieurs infos reçues en 2020. Effectivement, le 5 novembre 2020, on me dit « Trump va gagner » et suite à cela, il y aura des émeutes aux USA. Les Américains vont s'entretuer. Et le 10 novembre 2020, on me dit « Trump sera président ». Suite à cela, en France, le cauchemar commence. Voici donc une phrase énigmatique. À l'époque, je croyais que c'était les élections de 2020, mais je pense que ce sont celles de 2024 maintenant. La fin de la phrase, entre guillemets, « En France, le cauchemar commence » pourrait avoir un rapport avec les infos secrètes que possédait Trump sur la vie sexuelle de Macron et qui ont été trouvées par le FBI lors de la perquisition au domicile de Trump. À noter aussi que Candice Owens, l'alerteuse qui a dévoilé l'affaire Brigitte Macron aux États-Unis, est une proche de Trump. On pourrait donc émettre l'hypothèse que suite à l'élection de Trump, ce dernier dévoile des infos secrètes qu'il détient sur Macron. Ce n'est évidemment qu'une hypothèse. Concernant Trump, toujours, Carlotta a reçu aussi le 22 novembre 2020 renversement de la société aux États-Unis vers Noël. En tout cas, il devrait se passer des choses dans les prochains mois ou à partir de 2025, car voici d'autres informations reçues par Carlotta. Banque en faillite, les riches vont perdre beaucoup d'argent, les injections d'argent faites par les milliardaires vont s'arrêter suite à certaines arrestations aux USA. Information qui a été reçue le 8 septembre 2020. En France, conflit entre les gens pour la survie, en ville et en campagne. Conflit également entre les agriculteurs. Si Macron démissionne, une autre ordure sera mise en place. Ils veulent continuer leur plan sans changer de cap. Ils nous disent nous protéger, ce qui est faux. Ils feront du chantage. Information reçue le 8 septembre 2020. Toujours à la même date, Carlotta reçoit système d'échange, on revient au troc. Tournant d'histoire. Le 14 juillet 2021, elle a reçu comme information
des monuments seront renversés par les peuples. Par exemple, la statue de la liberté. Tout sera clair quand les infos invisibles deviendront visibles et accessibles aux yeux de tous. Autre information reçue par moi-même. Après la phase 1, la peur, qu'est-ce qu'il y aura? C'est la question que je demandais le 15 juillet 2020. La réponse est la réaction. La réaction des gens qui n'a pas encore eu lieu en 2024. On est toujours dans une phase de peur. Le peuple donnera un carton rouge au gouvernement. En gros, il leur dira « Cassez-vous !» reçu le 16 juillet 2020. La crise économique va toucher tout le monde, ou presque, reçu le 14 octobre 2020. On me dit « Raz-de-marée !» Vision d'un plateau avec des bâtiments. On secoue le bâtiment, le plateau je veux dire. Tous les bâtiments s'effondrent. Fin du monde, reçu le 18 décembre 2020. Évidemment, la vision est symbolique, cela veut dire que notre monde tel qu'il est va s'effondrer. Le monde va changer en mars. Autre information reçue le 13 janvier 2021 et les révélations vont arriver, reçues le 14 janvier 2021. Les politiciens véreux allaient être jugés en septembre. Information reçue le 11 avril 2021. Concernant ces infos, on n'a pas eu les années, juste les mois que l'on peut prendre au conditionnel. Le 22 juillet 2021, on me dit « Tout est à l'envers dans le monde actuel ». Le 3 août 2021, on me dit « Le monde invisible prépare le monde visible ». Je répète, « Le monde invisible prépare le monde visible à vivre le grand tournant ». On pourrait vivre une période de chamboulement et d'effondrement de 2025 à 2032 ou 2033, selon les informations suivantes que j'ai reçues. En effet, le 11 juin 2022, alors que je pense au nouveau monde qui s'en vient, une voix me dit 2032. Et le 14 juillet 2022, je fis un rêve où on attendait une catastrophe naturelle imminente, genre fin du monde. Comme c'était inéluctable, on s'apprêtait à partir ailleurs. Après le rêve, une voix me dit septembre 2032 ou 2033. La catastrophe naturelle symbolise fin d'un monde et nouveau d'un autre. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris depuis que Daniel Meroy annonce 2033 comme date du nouveau monde lumineux, entre guillemets, ce que je ne savais pas. Autre information, concernant le Covid, je demandais le 10 janvier 2022, que va-t-il se passer concernant le Covid? En réponse, j'ai eu une vision de voiture arrêtée dans un embouteillage. En fait, cela voulait dire arrêt du Covid. Il s'est bien effectivement arrêté depuis. J'ai une vision de voiture arrêtée dans un embouteillage. En fait, cette vision d'embouteillage pourrait dire que c'est provisoire, parce qu'un embouteillage est toujours provisoire. Ensuite, les voitures roulent à nouveau. Surtout que le 22 mai 2022, j'ai reçu l'info sur formation suivante. L'état profond est toujours présent. Le Covid va revenir. Donc je partage ces infos, mais je ne crois pas personnellement que le Covid va revenir. Ou alors cette fois, je pense que les gens vont réagir. On ne va pas nous faire deux fois le même coup quand même. Peut-être que aussi c'était qu'une possibilité en 2022, quand j'ai reçu ces infos, qui ne s'est heureusement pas concrétisée. D'autres informations cette fois concernant des catastrophes naturelles. Carlotta reçoit le 15 juin 2020 séisme dans une région où il y a beaucoup de monde. On ne sait pas où c'est ni quand c'est. Me concernant, j'ai fait un rêve où un gros volcan entrait en éruption et faisait des dégâts. Dans le rêve, on me dit que plusieurs volcans allaient entrer en éruption. Le jour même, je tire un oracle concernant ce rêve. Il sort les cartes utilité et 3 à 12 ans. Ce qui fait entre 2023 et 2030 si cela devait arriver. Ce rêve a été fait le 1er avril 2020. Peut-être aussi que c'était un poisson d'avril, ce que j'espère. Autre rêve, une personne me dit dans un rêve, dans 5 ans au plus tard,
il y aura une tempête 5 fois plus puissante que celle de 1999. Rêve effectué le 23 octobre 2021. Donc ça donnerait jusqu'en 2026. Évidemment, ça prend encore au conditionnel, car ces rêves peuvent être symboliques et peuvent concerner ma vie privée, puisque c'est moi qui les ai rêvés. Voilà, tout cela est issu de mon analyse personnelle par rapport à ce qui se passe actuellement et ce que je ressens. Et ce ne sont que des hypothèses qui peuvent arriver ou pas. On le saura bien assez tôt. Tout ça n'engage que moi. En tout cas, en attendant, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.